frôleuses. On ne les verra plus, elles ni les frôleuses, traînent de satin blanc ni les fins tissus d'or, dont la mère et la fille ornaillent encore les balles du président, car ce sont deux voleuses. Le père est chirurgien-major dans l'armée. On a fait un nom, la faveur rare. Ce n'est pas envoyer la fille à Saint-Lazare et la mère au dépôt. C'est peut-être un tort. Car la mère aujourd'hui vit aux frais de la fille, horizontale rose au feutre empanaché et qui ne vole plus sa robe au bon marché. Ce qu'on vole aujourd'hui, c'est le fils de famille. C'est le mari galant à sa femme arrachée, car c'est sa nudité charmante qui l'habille.